Chers collègues administrateurs, chers amis, bienvenue à tous ce soir au Parc des Jésuites à Molsheim, la bien nommée patrie des purs sangs. Votre présence nombreuse autour de la statue en pied du patron atteste de l'intérêt que nous portons à la marque Bugatti bien sûr, et aussi à l'estime que nous apportons et à l'admiration que nous portons à la personne de mon voisin, M. Ettore Bugatti, dont nous fêtons ce soir le 140e anniversaire de sa naissance à Milan. À cette occasion, je renouvelle mes salutations, notamment au délégué de la Fédération française des véhicules d'époque, M. Reithofer, qui est attaché, comme nous, à protéger, préserver et promouvoir et maintenir les véhicules d'hier, comme on dit, sur les routes d'aujourd'hui, en prévision des enjeux de demain. Merci de votre présence. Je tiens également à saluer l'un de nos partenaires, Bugatti Modélisme Molsheim, en les personnes de la famille Lorenz. Depuis 140 ans, la perfection esthétique et l'orgueil Bugatti ont engendré la sympathie et un certain désir de fête. Vous avez une illustration à côté du désir de fête. D'où notre réunion de ce soir, composée de bugattistes, propriétaires et amateurs, pilotes et techniciens ou ouvriers, enthousiastes et amateurs, éclairés d'art et ou de mécanique de qualité. Le festival Bugatti, célébré chaque année, sans interruption depuis la création des enthousiastes Bugatti, est la démonstration pertinente que le mythe Bugatti existe, illustrant ainsi le monde selon Bugatti qui fut tout entier le règne du perfectionnisme technique auquel s'ajoute une interprétation très personnelle de la notion de beauté. Lors d'une fête d'anniversaire, il est de tradition d'offrir un cadeau. Notre association, M. Ettore Bugatti, vous offre ce soir, depuis sa création en 1979, une corbeille des actions qu'elle a conduites afin d'assumer les buts suivants. La sauvegarde du souvenir Bugatti pour l'ensemble de votre œuvre et aussi de celle de vos ascendants et descendants. La création, l'entretien et le développement d'un musée à Molsheim. La démonstration de la valeur de l'artisanat alsacien dans vos réalisations et l'organisation annuelle du festival Bugatti Molsheim. À ce sujet, j'ai maintenant une pensée reconnaissante pour les 100 premières personnes qui se sont réunies à Molsheim un samedi plein de neige et de brouillard et furent les membres fondateurs des enthousiastes Bugatti. Et ceci à l'invitation de notre président fondateur et honoraire, Paul Kessler, dont j'excuse l'absence ce soir. Il est un peu fatigué, m'a-t-il dit tout à l'heure. Et auquel je tiens à rendre un vif hommage que je suis persuadé vous partagerez avec moi. En effet, Paul est, après M. Bugatti, mon voisin, le personnage le plus important pour notre association. Et nous sommes environ 200 membres dont les adhésions se renouvellent régulièrement depuis notre création et qui se recrutent dans le monde entier avec une majorité d'Alsaciens comme vos ouvriers, chers patrons de Naguère. Et ils sont tous d'origines diverses, des anciens d'usine, des fervents de la marque, des connaisseurs qui apprécient la mécanique et l'esthétique. Ces membres se réunissent régulièrement tous les mois, ainsi aussi pour parler de vous. Parfois aussi au musée de la Fondation Bugatti à Molsheim, juste à côté, créé avec l'aide constante de la municipalité de Molsheim, où les visiteurs de la ville se déplacent spécialement pour découvrir les exemplaires de vos créations, automobiles notamment,
contribuant avec les voitures Bugatti actuelles construites par l'entreprise SAS Bugatti Automobile à la notoriété de votre nom et de la ville de Molsheim en Alsace. Un autre grand événement mémoriel est le festival Bugatti annuel. Cette manifestation est traditionnellement un pèlerinage au berceau de la marque, certes, et aussi sur votre tombe familiale à Dorlisheim pour des moments de recueillement. Vous voyez ainsi, M. Ettore Bugatti, que notre association cultive jalousement et fidèlement le souvenir de votre personne et de votre famille, de votre nom et de vos réalisations, et plus particulièrement les automobiles, qui sont parmi les voitures anciennes les plus recherchées dans le monde entier pour des raisons suivantes. Ettore était un artiste, donc un créateur, un génie de la mécanique, un ingénieur, un styliste, designer, audacieux. Votre fils en a hérité de ses qualités. Vous étiez donc un maître d'œuvre, comme autrefois ceux qui construisaient des cathédrales. Monsieur Bugatti, joyeux anniversaire, des fleurs aux couleurs de votre entreprise sont devant vous. Et maintenant, mesdames, messieurs, je vous invite à lever votre verre à la santé du patron et vous remercie pour votre attention.